Salut à tous, c'est Megiddo pour The King of Fighters 97. Et oui, on est déjà au quatrième épisode de la saga. Bon, comme vous pouvez voir, le menu n'a pas trop changé. C'est toujours Team Play, Team Versus, Single Play, Single Versus, Survivors. Et enfin les options, un peu plus simples. Notre choix entre le débutant jusqu'à FPR. De très lent à infini, cette fois pour le temps. Bon, voilà, c'est en lent. Les langues c'est toujours les mêmes. Les touches, vous pouvez voir, c'est quasiment toujours pareil. Bon, ça pour me dire qu'on a le droit au choix du décor. Et si on a Japon, USA, Bali, Chine, Corée, Monaco, et c'est tout. Et oui, on n'a plus de décor par équipe. Donc on se retrouve avec plus d'équipes que de décors. Oui. Recomptez, regardez, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 6 décors, alors qu'il y a quasiment presque le double d'équipe. Bon, on va sortir. Alors, ce jeu date de 97, comme son nom l'indique. Sorti sur arcade, Neo Geo, Neo Geo CD, PlayStation, Saturn. Il est aussi sorti donc sur Wii, PSP et PlayStation 2 dans la compilation Orochi Saga. C'est le dernier épisode de la saga Orochi. Donc, les craintes de Shizuru s'est avéré juste. Orochi est sur le point de renaître. Donc, un nouveau tournoi est organisé. Un peu comme le dernier tournoi dans Dragon Ball Z, à savoir. C'est pour profiter, pour récupérer de l'énergie des combattants, pour pouvoir mener à bout la résurrection de Orochi. Ah oui, SM Corp pompe un peu sur Dragon Ball. Bon. Et bien sûr, tous les combattants ne sont pas au courant de cette histoire. Bon, on notera quand même quelques disparitions. Ainsi, la Team Boss disparaît, laissant sa place à la New Fast Team, composée de Charmy, Chris et Yashiro, qui d'ailleurs est décliné plus tard par la suite en Orochi Team, où c'est leur mode Orochi. Billy refait surface avec de nouveaux compagnons venant de Fatal Fury, à savoir Blue Melly et Yamazaki. Quant à Yori, il n'est plus accompagné de personne. Vice Master, basta, il est tout seul. Et un autre personnage fait son apparition en solo, c'est Shingo, le fan de Kyo. A noter aussi que dans l'équipe des filles, Kasumi est partie et elle laisse désormais sa place à Shizuru, la sous-boss de l'épisode précédent. On notera aussi qu'en sous-boss, on a la version Orochi de Leona et de Yori. Bon, on va y aller. Et c'est parti. Bon, les mouvements. Désormais, on a deux modes de jeu, soit le mode Advance, soit le mode Extra. Le mode Advance est plus proche du style Street Fighter Alpha. Ainsi, on charge son énergie en donnant des coups. Alors que l'Extra reste assez classique par rapport au KOF précédent, à savoir appuyer sur 3 touches pour charger son énergie, etc. Comme vous pouvez voir, l'effet de chargement est beaucoup plus réussi désormais. Bon. Il n'y a pas l'air d'autre chose à prendre. Bien sûr, en extra on n'a qu'une seule barre, alors qu'en advance on en a 3. Bon, on va y aller. Comme vous pouvez voir, je dois débloquer les boss, mais bien sûr Orochi n'est pas jouable. Bon, moi je vais mettre en extra. Je vais reprendre les chouchous. Notez que pour avoir la vraie fin du jeu, il faut prendre Yori et Shizuru. Voilà.
Il faut le chat qui vient squatter. Vous remarquerez dans cet épisode que les équipes se mélangent, que j'aime pas trop. Je préfère quand les affronter des équipes stables. C'est vraiment ce que j'aime pas dans le 97. Graphiquement, on est à peu près du même niveau que le 96. Je vais te dire qu'il existe une deuxième version de Kyo cachée. Il suffit d'appuyer sur Start sur Kyo pour avoir ses coups de 94. C'est dommage que ce niveau il n'y a pas de musique. On entend juste la foule gueuler. Enfin la foule a fait plutôt gif animé. Hein. J'ai connu mieux comme foule dans un décor. Et voilà. Attends toi. Désolé, il y a Choc qui me. Il y a Choc qui veut jouer avec moi. Ah ça y est, on a fait de la musique. Allez voilà. Bon, musicalement, les musiques sont bonnes. Mais bon, celle de 96, elle était quand même un peu mieux. Comme le thème de Psycho Soldier, c'était quand même mieux dans 94. Et voilà, gagné. Les coups sont un peu plus étoffés, on a quand même pas mal de coups. Si tu pas de bêtises, il me semble qu'on a désormais deux spéciales. Il faut qu'on vérifie, à moins que c'est en 98. Enfin, je sais plus trop, faut que je vérifie. Bon, c'est qui est nouveau? Ah, Kingo. Et... bah vous pouvez voir donc déjà un nouveau personnage, Shingo. Vous aurez noté que Billy ne porte plus sa salopette de Fatal Fury 1 comme dans le 95, mais désormais est habillé comme dans les Real Boots. Allez, que dire d'autre du jeu? C'est un épisode incontournable, si on veut... si on aime la saga Orochi. Parce qu'on a quand même on affrontera quand même à la fin Orochi, un des boss les plus classe de la saga de KOF. Oh, bah pour moi, Orochi, c'est quasiment... au niveau boss... je dirais que c'est le deuxième, après Rugal. Et juste derrière, je mettrais... Chrysalide. J'aime bien Chrysalide. Oh, le zéro et l'église. Enfin, c'est bon dans le classement. Mais bon, le dernier du classement, c'est Goeni. Ouais, Shingo. C'est dommage que la musique qui n'est là que pour le dernier combattant. Enfin, je disais que tout à l'heure, il y avait que 6 décors. Enfin, non. Il y a 6 décors de base, plus 1 par membre de la Orochi Saga, de la Orochi Team. Enfin, c'est le même qui en décalant plusieurs variantes pour la Orochi Team. Et pour le boss Orochi. Et après, il existe une version Blood des 6 niveaux de base, à savoir, ils sont rouges. Les décors sont rouges. Ah, vous verrez ça quand j'affronterai Orochi Leona ou Orochi Yori. Ah, Kensou.
Pour moi, ce jeu, je le possède comme bah, dans la saga Roche. Dans Roche Saga sur PS2. Bon. Tout comme le 95 et le 96, je ne vous ferai pas un deuxième test d'une version autre console, s'il n'y a pas trop de différence. Hey, il m'énerve là le Kensou. Et voilà. Oh. T'arrêtes, tu me mords les pieds. Bah, désolé. Les aléas du direct. Allez, mais arrête eux. Allez. Aïe! Pardon. C'est dur. Oh là, c'est vraiment du direct. Je suis en train de jouer avec un chat qui me bouffe les pieds. Aïe! Attends. Et moi, j'ai perdu. Allez, bouge. Ah, me bouffe pas les pieds. Et moi, j'ai pas vu ta faute. Ça va me faire une fin entre Rio. Et voilà, c'est parti, on prend ça. Mon avis sur le jeu, c'est un bon épisode. Bon, bien sûr, faut... qui conclut bien la saga Orochi. Même si... ça... Le 98 est vachement mieux quand même. Bah, le problème, c'est que le 98, c'est un grimace. Là, par contre, vous aurez deux tests. Celui du 98 classique et celui du petit Mad Match. Allez, Léona! Ah. Oh non! Je crois que j'allais avoir une main spéciale. Bah, tant pis. Il me reste encore Kyo! T'arrêtes, toi! Arrête Félix. Ah, la nouvelle attaque est quand même excellente. Donc... Et voilà, gagné. Moi j'ai plus grand chose à dire sur le jeu. Je vais essayer de spoiler mais je promets rien. Il revient. Ah, c'est dur de jouer avec. Et bah, gagné. Eh oui, je m'améliore au fur et à mesure des KOF. Enfin, autant que je suis une merde à 94-95, autant qu'à partir de 96, tout je m'habille. Je sais pas, je trouve des personnages beaucoup plus fluides et beaucoup plus maniables à partir du 97, du 96. Et voilà, gagné. Mais je trouve dommage qu'il n'y a pas beaucoup de musique. C'est énervant les bouts de foule. Hein. Ah non, tu vas pas monter sur l'écran. J'arrive même plus à lancer mon spécial. Et voilà, gagné. J'avais un bug, j'arrivais plus à lancer mon spécial. Ça veut dire que j'ai le choc qui dérange. Un Félix.
C'est qui sûr? Ah c'est bien, c'est une refonte l'équipe de base. Les filles. Hey les amoureux, éclatez-vous. Allez, ah, j'arrive pas à flinguer King. D'habitude, je la flingue facile. Sauf dans Art of Fighting 2, bien sûr. Oh non! Ah, t'arrêtes, toi! Y'a rien, mais il attend de manger mon. Il attend de manger mon casque. Oh non, mais. Je perds, c'est de ta faute. Et bah, gagné. Le problème, c'est que j'en ai encore deux à flinguer. Là, c'est qui là? La belle sœur. Allez hop. Arrête, lâche mes doigts. Tu griffes. Allez, le voici un. Allez Yuri. Allez, mais t'arrêtes-toi. Allez. J'ai quand même pas peur contre Yuri, ah j'allais dire. Coup de pied, ouais, arrêtez. Ah, j'en ai pas fait contre les filles. Hein. D'habitude, elles sont pas aussi fortes. C'est qui maintenant? Ah, Orochi Léo. Ah non, c'est vrai que ça, Orochi Léo. Hop, hop. Ah, on a une équipe. Oh non, qui est là? La nouvelle équipe. Enfin, des deux nouvelles équipes. Billy, quand même tu classes comme ça avec sa salopette. Hein. Je me demande à quand on aura un Billy en... avec son t-shirt anglais dans K-West. Vous savez, c'est le Fatal Fury 2 spécial. Et retourne dans Guise. Ah, j'adore le thème de Boomerie. Il va pas dire ça, une personne préférée de Boomerie. Pas dans le sens de jouer, mais dans le sens de l'histoire. J'aime pas les blondes, mais j'aime bien elles. Ah, vive le cœur d'amoureux. Et voilà. Et contre Ryuji, Yamazaki, le vrai psychopathe. Et moi j'ai encore deux portes au fameux jeu.
Et bah, il gagne. Je le trouve un peu moins fort que dans sa version Real Boot. Hein. Suivant. Là, je devrais affronter un personnage Orochi. Orochi Yori. Excellent. Dommage qu'on n'a pas des masses dans les jeux. Eh, faut qu'il tape fort en plus. Ouais, ça a la peine de le toucher. Oh, je préfère tomber sur Orochi Leonos. Ah, j'ai oublié de vous dire que quand notre barre clignote, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de vie, on peut faire autant de super attaques qu'on veut. Enfin, ça, c'est pour me défendre, bien sûr. Ah, ben ça va, j'ai assez fatigué pour pouvoir lâcher les deux autres. Et bah, gagné. Ah. Et maintenant, on se retrouve face à l'Orochi Team. Là, je trouve que je vais même pas affronter en normal. Et contre Chris, qui maîtrise le feu. Allez. D'ailleurs, bizarrement, à part Yashiro, les deux autres membres d'équipe n'ont pas de nom de famille. D'ailleurs, c'est du... Je trouve ça bizarre que Chris et Charmy n'ont pas de nom de famille. D'ailleurs, Charmy elle a même pas de vie, on sait même pas à quoi il ressemble plaisir. Ah non, calme. Bon, ça va, moi j'ai encore deux persos. Et puis j'ai vachement éclaté. Mais tu vas quand même pas perdre contre une fille. Et va gagner. Il me reste plus qu'un chou à battre. Ah, le décor déchiré est classe. En famille. En fait, ils ne sont pas passés dans le monde, les personnages. C'est l'immense, ça c'est pour créer ses femmes. C'est celui qui maîtrise le feu. Et ben, on va avoir un combat contre Orochi. Il m'éclate. Ouais, bah, il m'a encore tiré en réserve. Et bah, gagné. Et maintenant, vous allez voir Orochi. L'un des boss les plus classes de la saga. Et je vous laisse la petite scène.
Moi, je suis dommage, je m'excuse quand même d'avoir pas trop parlé dans cet épisode, dans ce test. D'habitude, je parle un peu plus, mais c'est juste que j'ai pas grand chose à dire. Et puis, j'étais vachement pris par le jeu. Et puis, il y a Félix qui m'a emmerdé. Saleté de minou. Ah, puis hop, on va passer. Allez hop, Orochi. C'est là, c'est qu'il casse son apparence. Parce que tout le monde sait à peu près à quoi il ressemble. Round one. Ready, go. Allez. Ah, il impose quand même, même si il est quasiment presque immobile tout le temps. Oh non! Oh bah, je papote et je me fais éclater. C'est histoire de battre. En tout cas, pour l'entraînement, je l'avais battu. Ah merde, je suis à méga attaque. Ah ben là il est vachement entamé, il devrait finir avec Terry. Il reste plus grand chose. Allez. Allez Terry, on compte sur toi. Ah, ah mais il me mord pas les doigts. Oh non, pas la méga attaque. Oh non, j'ai perdu, mais toi, me mords pas les doigts. Bon, bah tant pis, je n'irai pas de jeu. J'arrête là. Allez. A plus pour le 98. Et toi, t'arrêtes de me mordre les doigts. Oh, désolé, je vais peut-être finir si là, tu n'étais pas venu me mordre les doigts.